Bonjour Vince. Salut Sam, Comment tu vas? ça va super bien et toi? Oui, moi très bien. Mieux, hein, j'imagine, depuis que t'es revenu à la civilisation, hein. Ouais, mieux, j'ai repris les kilos perdus, tout va bien, j'ai retrouvé ma vie, c'est cool. Bon, bah c'est parfait. Alors pour ceux qui ne t'ont pas reconnu, mais c'est quand même difficile, hein, parce que vous savez, c'est celui qui a la tête dans le sable en permanence. Il y a Ouais, tout le c'est temps, ça. il y a tout le temps du sable sur le visage. Et ça, c'est dans The Island, donc c'est tous les mardis à 20h50 sur M6. J'envoie le jingle, Vincent. Et puis je te promets qu'on rentre dans le vif du sujet de suite après. À tout de suite. Avec plaisir. Alors Vincent, tu as 32 ans, tu es assistant de direction dans une maison de disques à Paris. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu participer à une aventure comme The Island? Bah, tu vois, moi, en fait, c'était mon rêve de faire une aventure comme ça, en fait, une émission d'aventure pour prouver justement que je pouvais faire des choses surhumaines. Je trouvais que c'était le bon moment pour moi, donc j'ai 32 ans, c'était le moment de me remettre en question et donc d'y aller. Donc c'est pour ça que j'ai tenté cette aventure et le casting, etc., pour y participer. Mais ils n'ont pas été étonnés, ta famille, tes amis, parce que tu le dis toi-même, hein, tu dis que tu es le plus faible du groupe, donc ça veut dire que tu sais que tu pars quelque part avec des inconvénients par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus sportifs. Bien sûr, ouais, non, mais tu vois, je suis faible, je suis pas sportif, etc., mais je suis quelqu'un de tenace, et ça, quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. En tout cas, je fais toujours tout pour y arriver, même si ça prend du temps. Et mes proches le savaient, donc oui, ils ont été étonnés, parce que pour eux, pour la plupart, j'allais pas forcément tenir, mais si je tenais le coup, pour eux, c'était grâce à mon mental, parce qu'ils savent que je suis vraiment tenace, quoi. Alors comment ça se passe quand on devient candidat pour The Island, qui est quand même des émissions de survie les plus hard à la télé, comment ça se passe le suivi du candidat à partir du moment où tu as eu la validation jusqu'au moment où tu intègres l'île? Alors comment ça se passe? En fait, on a eu 4 jours de formation avant de commencer l'aventure, 2 à Paris. Donc à Paris, c'était formation des premiers secours, ouais, des choses médicales en fait, comment aider quelqu'un qui tombe dans les pommes, etc. Plein de choses comme ça. Et une formation de caméra aussi pour comment se servir des caméras, de la GoPro, etc. Donc ça, c'était les 2 premiers jours à Paris. Ensuite, lorsqu'on est arrivé donc en Panama, on a eu 2 jours de formation, mais là, cette fois, c'était des formations de survie. On le voit dans l'after, donc comment attraper un animal dans la forêt, etc. Comment faire des pièges. Et donc c'est pour ça que Mike Horn était là, c'est lui qui nous a fait Ah, la formation. c'est lui, Mike, là, celui qui parle comme ça, qui vous a fait les Tout à formations, fait. c'est ça? Comme invitation, oui, c'est lui. Vous avez eu cette chance-là, alors? Ouais, parce que c'est un mec vachement impressionnant, et de le voir en vrai, c'était fou de le voir en vrai devant nous, et t'as l'impression que ça, il sait tout faire, ce mec, quoi. Donc très impressionnant. Et alors, comment on le vit psychologiquement? J'imagine que ça doit faire un choc quand même à partir du moment où le bateau vous laisse, que vous sautez dans la mer pour rejoindre la plage. On se dit quoi là? Parce qu'on quitte quoi? On quitte l'hôtel, on quitte les repas sans doute avec la production, avec les autres candidats. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du candidat? Bah écoute, comme tu as pu le voir, moi en plus je me suis blessé. Donc en fait, en montant sur le bateau, je me suis blessé. Donc on m'a recousu la main, etc. J'avais un bandage. Mais t'as pas eu de chance, hein? Toi, les Ouais, premières non, bah, dès le secondes. départ, j'ai pas eu de chance. Et en fait, les médecins m'ont dit de ne pas mettre ma main dans l'eau pendant une semaine pour cicatriser. Comment te dire que lorsqu'on est arrivé devant l'île et qu'ils nous ont dit de sauter, donc moi j'ai pensé à quoi? J'ai pensé que j'allais crever. Et du coup, je me suis dit comment je vais faire, mais j'avais pas d'autre choix, donc j'ai sauté, j'ai fait un plongeon dégueulasse, mais j'ai plongé. Et en fait, j'ai essayé de sauver ma main pour pas la mettre sous l'eau, et en fait, je me suis noyé. Donc ça, tout le monde croit que je ne sais pas nager, parce que en fait, je me suis noyé dès le départ. Mais en fait, non, c'est parce que j'essaie de protéger ma main et j'essaie de protéger mes affaires pour pas les tremper. Et du coup, c'est pour ça que je me suis noyé. Mais je D'accord. rassure tout le monde, je sais nager. Et on pense à quoi alors au moment où on se dit, bon, bah, ça y est, maintenant la civilisation c'est terminé, les bons repas, l'hôtel, tout ça c'est fini, le téléphone c'est fini. Est-ce que ça on en a conscience ou alors est-ce qu'au début on est dans l'euphorie de l'aventure? Ouais, on n'a pas vraiment conscience. C'est vrai qu'au début, on est dans l'euphorie de l'aventure, et on pense qu'à une chose, c'est d'y être, parce qu'il faut savoir que pendant les jours de formation, on n'avait pas le droit de se parler avec les autres candidats, on n'avait pas le droit de se dire nos prénoms, nos métiers, etc. Donc, en fait, on attendait juste le début pour pouvoir se présenter
face aux caméras et pouvoir savoir nos prénoms, etc. Donc c'est vrai qu'au début on n'y pense pas et on n'avait qu'une envie, c'était de se connaître, de connaître nos prénoms, nos métiers et de se parler parce qu'on n'avait pas le droit de le faire. Ça rapproche tout de suite? Pour ma part, non, parce que moi en fait j'avais très peur, parce que comme je l'ai répété pendant toute l'aventure, moi j'avais l'impression que j'étais face à 14 Robocop. Donc moi en fait j'ai eu très très peur, je les ai beaucoup observés pour savoir avec qui j'allais parler, avec qui j'allais bien m'entendre et tout, et moi j'ai eu peur au début. On le disait en introduction, je t'ai présenté en disant Vin, c'est celui qui a la tête remplie de sable en C'est ça. permanence. Non mais je te dis ça parce qu'à chaque fois que j'allume M6, le mardi, je te vois, t'es rempli de sable. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui? Ben en fait, je dormais à même le sol et du coup, dès que je me levais, j'avais du sable sur le visage. Et quand on allait se laver donc dans la mer, j'essayais de l'enlever, mais ça partait pas. Mais tout le monde me le disait, quoi. Ils me disaient tous enlève le sable de ton visage et tout, mais je le faisais, mais ça partait pas. Donc du coup, c'est vrai qu'ils se sont beaucoup moqués de moi aussi sur l'île, mais moi je m'en rendais pas compte. Et quand je vois les images, c'est vrai que c'est affolant, quoi. J'ai tout ça partout, quoi. Mais attends, mais c'est pas possible. Comment tu n'arrivais pas à enlever le sable avec de l'eau? Enfin, je sais pas. Je devais pas avoir de force, je sais pas, mais j'y arrivais pas. Pourtant, je frottais, mais ça partait pas. Parce que les autres aussi, j'imagine, qui dormaient la tête dans le sable, ou t'étais le seul? Non, moi j'étais seul. Les autres, ils mettaient un foulard en fait pour couvrir le sable, mais pas moi. Mais pourquoi? Ben écoute, on était, moi j'étais, je suis venu pour faire l'aventure, donc hop, hein, je dors par terre, hein, pas de chichi, tant pis quoi. Ah, bah pas de chichi, mais pourtant c'est toi qui fais des chichis quand tu vois des crabes, c'est toi qui fais des chichis quand... J'ai peur, je crie, mais je le fais. Donc en fait, le truc c'est que moi, c'est vrai que je vois partout, les gens disent que je me plains et tout, mais en fait, moi, je trouve pas que je me plains parce que j'ai peur. En fait, j'exprime juste ma peur en criant ou voilà, ça agace peut-être les téléspectateurs, mais en tout cas, à chaque fois, je crie, mais ou je pleure, mais je le fais. Mouline, il dit que tu es très feignant. J'étais pas d'accord. En fait, c'est vrai que ça m'a énervé parce que en fait, moi, contrairement à d'autres personnes, je ne citerai pas de nom. Quand je faisais quelque chose, je voulais pas forcément être filmé. Il y a des personnes qui, quand ils faisaient des choses, demandaient à être filmées ou prenaient une caméra pour se filmer seules. Ah bon? Et Attends, 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 comment ça se passe? Ça veut dire, ils disent, attends, je vais aller chercher du bois, est-ce que tu peux me filmer? voilà, tout à fait. Il y en avait qui demandaient aux cadreurs de les suivre, ou bien carrément, ils se prenaient la GoPro, ils se prenaient le machin et ils se filmaient. Et il faut savoir que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses, mais j'ai fait des choses. Mais j'ai aussi essayé de faire du feu, mais ça s'est pas vu parce que moi, le jour où j'ai essayé de faire du feu, ça n'a pas été filmé. Et d'autres choses aussi. Donc après, c'est vrai que les gens, ils pensent que j'ai rien foutu, mais c'est pas que j'ai rien foutu, c'est que j'en ai fait peut-être moins que les autres. Et quand j'ai fait des choses, j'ai pas voulu être filmé et je l'ai pas demandé. Mais pourquoi Voilà. tu n'as pas voulu être filmé? Tu pars quand même, tu pars faire une émission d'aventure, tu sais que tu es filmé normalement. Enfin, le Bien but, c'est sûr. quand même de te montrer, de montrer tes capacités pour être fier. Mais en fait, dès le départ, il m'est arrivé tellement de choses, je savais que je m'en doutais que les premiers épisodes, on allait montrer donc toutes mes blessures, mes pleurs, etc. Donc c'est bon, j'avais pas besoin non plus. Moi, je suis pas venu, même sans caméra, je l'aurais fait cette aventure. Donc j'avais pas forcément envie qu'on voit tout le temps. Donc c'est pour ça que je demandais pas à être filmé tout le temps, c'était pas mon but. Et voilà. Est-ce que c'est pour ça que tu as craqué? Parce qu'on te voit un moment, bon bah tu fais une sorte de malaise. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a véritablement une cassure, hein, et que ça crée véritablement deux groupes. Donc ça, il faut savoir que ce jour-là, donc c'était le sixième jour, et donc on a mis du temps à faire le feu. Donc nous, on a mis une semaine pour faire le feu, et j'avais très soif. J'avais pas particulièrement faim parce qu'on avait de la noix de coco et on arrivait à se nourrir même sans feu. Mais sans feu, on pouvait pas faire de l'eau. Et moi là, j'avais vraiment très très soif. Et ce jour-là, donc j'ai craqué, j'en pouvais plus. Et j'ai Benjamin, donc le docteur qui était avec nous, m'a ausculté et m'a dit que j'étais en déshydratation. Donc c'est pour ça qu'on a appelé les autres médecins et la production parce que j'en pouvais plus et j'avais envie de partir. Donc T'as appuyé sur la valise ou pas? en fait, on avait un téléphone satellite, donc on pouvait les joindre à 24 heures sur 24 dès qu'on avait un souci. Donc comme je savais pas m'en servir de ce truc-là, c'est les autres qui ont appelé pour moi. Donc ils m'ont appelé pour dire que je me sentais pas bien, que j'avais envie de partir et voilà. Comme tu peux plus avancer, ça crée forcément, c'est ce qu'on disait, deux groupes. Il y a entre guillemets le groupe des plus forts. En tout cas, en apparence, qui font leur vie de leur côté. On l'a vu, ça c'était la semaine dernière. D'ailleurs, ils le disent, hein, ils sont très bien sans vous. Quand tu as découvert les images, ça t'a fait quoi? C'est vrai que donc en fait on devait tous partir. Donc effectivement ce jour-là on devait tous partir sur l'autre camp parce qu'on n'avait plus de nourriture, on n'avait plus rien sur le premier camp. Et donc voilà, je suis tombé dans les pommes, voilà, j'étais pas bien, j'ai vomi, etc.
Et du coup, c'est vrai que les autres se sont dit, on va, de toute façon, tout le monde pensait que j'allais partir, donc ils se sont dit, on va pas rester là à le regarder mourir ou, voilà, vomir. Et comme tout le monde pensait que j'allais partir, que les médecins étaient en train d'arriver, donc il y a une partie du groupe les plus forts, donc ceux qui disaient être plus forts, qui ont décidé de partir parce que ça servait à rien d'attendre. Et après, ceux qui sont restés avec moi, c'était les gens avec qui j'étais le plus proche. Et donc, malheureusement, des délais plus faibles. Et donc voilà, eux sont restés avec moi et les autres ont décidé de partir. Après, moi je leur en veux pas parce que c'est vrai que moi je lis partout que j'étais un ralentisseur pour les autres, etc. Mais non, moi quand ils ont voulu partir, pour moi c'était tout à fait normal qu'ils partent. Ils n'allaient pas rester. Oui, d'accord, c'est normal qu'ils partent. Mais est-ce que tu trouves normal quand ils vous voient arriver sur l'île, est-ce que tu trouve normal qu'ils se plaignent autant, qu'ils râlent, en se disant, ah, oh, bah, tiens, ils arrivent, franchement, ça va être dur, comment on va faire? Nous, on veut pas qu'ils réintègrent le groupe. Je veux dire, à la base, vous êtes partis tous ensemble, vous étiez un groupe soudé oui. à la base. Non, c'est vrai, et c'est vrai que, on ne savait pas, nous, parce qu'effectivement, nous, on n'était pas avec eux, on savait pas ce qu'ils se disaient, et c'est vrai qu'en voyant les images, toutes les personnes qui étaient avec moi, on a été choqués, oui, et clairement, parce qu'on pensait pas qu'ils, on savait qu'ils nous trouvaient faibles, etc., 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 mais on pensait pas qu'ils pensaient vraiment ça de nous, parce qu'en plus, dès le départ, on s'était dit, voilà, là, on est dans The Island, on n'est pas dans Koh-Lanta, il n'y a pas de fric au bout. On s'était tous dit, on va s'entraider, on va aller jusqu'au bout. Et ça, c'était quelque chose qu'on s'était dit dès le départ. Et c'est vrai que quand on est arrivé, on a vu qu'il était un peu froid et certains n'étaient pas venus nous dire bonjour. Et c'est vrai qu'on a senti, qu'il y avait quelque chose que ça n'allait pas, mais c'est vrai qu'on ne savait pas qu'ils avaient dit tout ça. Et de voir leurs propos, ouais, ça fait quelque chose. Mais après, bon, là, c'est comme ça, c'est la télé, c'est le jeu, c'est... voilà. Et ironie du sort dans tout ça, vous créez un camp, mais alors digne des plus grands palaces. Ah non, mais c'est vrai que c'est magnifique, la cabane, elle est top. Vous avez du feu, vous avez tout ce qu'il faut. Et au final, quelque part, ils envient ce camp que vous avez créé, alors qu'ils vous montraient du doigt... En vous traitant de faible. Ça oui, fait c'est quoi vrai. Est-ce que c'est une revanche? Ben, écoute, en fait, c'est vrai que quand on est arrivé, certains nous ont dit, voilà, nous, maintenant, on est bien entre nous, alors on ne va pas partager notre camp, vous allez faire votre camp à vous, on ne veut pas partager nos ressources. Ils nous l'ont dit. Ben ils oui. nous ont clairement dit qu'ils ne voulaient rien partager avec nous. Nous, ben, on s'est dit, c'est pas grave. Nous, on part de notre côté, on va faire notre camp, nous aussi. C'est vrai que... On s'est bougé à ce moment-là, on s'est vraiment réveillé parce qu'on s'était fait disputer par, on l'a vu la semaine dernière, on s'est fait disputer par Benjamin et Ismaël parce que eux, ils étaient partis en expédition et quand ils sont revenus, nous, les autres, on était restés sur la plage. Donc c'est vrai que quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas contents, donc ils nous ont un peu disputé. Mais du coup, ça nous a remonté les bretelles. On s'y est tous mis. Pour le coup, là, tout notre temps, on s'y est mis et on a fait une belle cabane. Voilà, tout s'est super bien fait. Et ensuite, nous, on a trouvé le rythme aussi de notre côté. Et du coup, on était contents d'être entre nous aussi. Et c'est vrai, ironie du sort, donc l'autre groupe des plus forts se sont aperçus, parce qu'on se rendait visite, hein, on n'était pas fâchés, on se rendait visite. Et en venant sur notre camp, ils ont vu qu'on était bien installés, qu'on mangeait à notre faim, qu'on avait l'eau, qu'on avait tout. Et c'est vrai qu'on a vu qu'ils étaient... c'est pas de la jalousie, mais... Il nous en vient un peu, alors que c'est vrai qu'au départ, il pensait qu'on n'allait pas réussir et que sans eux, on était perdus. On se dit quoi dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe par la tête? Est-ce qu'on se dit, bon, allez crever dans votre camp, vous nous laissez tranquille, ciao, au revoir? Ou alors est-ce qu'on fait preuve de fraternité et on accueille? Non, nous, c'est vrai que ça nous a fait beaucoup rire sur notre camp. On en parlait entre nous. Ça nous faisait rire de voir le retournement de situation. Mais après, voilà, nous, en tout cas, De notre côté, on s'était dit qu'on était venu à 15 et qu'on allait repartir à 15. Donc, pour nous, il n'y avait pas de problème. On n'allait pas les laisser mourir de faim ou dans leur camp qui était moins bon que le nôtre. Donc, pour nous, il n'y avait aucun problème de les accueillir. Et c'est très fair play. Nous, on n'est pas venu pour se battre. Il n'y a pas d'élimination, il n'y a rien. On est venu pour aller jusqu'au bout ensemble. Donc, pour nous, c'était normal de partager. Oui, mais même si c'est vrai qu'on n'était pas... tous pour, faut oui. le dire, hein, on n'était oui. pas tous pour, parce que il y en a certains, on pensait que c'était dégueulasse, quoi. Nous, on s'était fait critiquer et maintenant ils retournent leur veste. Mais bon, on a parlé, on a pris la décision tous ensemble et on pour nous, c'était normal de les accueillir. Est-ce que tu penses, Vince, que eux auraient fait pareil? Oui. Attends, ouais, tu as hésité, hein. Ben.
En fait, c'est parce que sur l'île, je t'aurais dit oui directement, mais là, en fait, c'est vrai qu'en ayant vu leurs propos, voilà, mais bon, je pense que non, je pense quand même qu'ils nous ont accepté, peut-être pas avec plaisir, mais ils nous ont pas laissé Ils seuls, vous quoi. auraient pas laissé tout seul, voilà. Ouais. Ils auraient fait preuve de Oui, fraternité. Qu'est-ce ouais. qui est le plus dur dans ce genre d'aventure? Mis à part l'eau, mis à part la nourriture. Ben, moi, tu vois, je suis pas très famille de base, et moi, j'adore mes amis, je suis très pote et tout, mais pas famille. Et, mes amis m'ont évidemment manqué, et ma famille aussi, bizarrement. Ma famille m'a beaucoup manqué, et je me suis aperçu que je me dispute beaucoup avec mes parents, tout ça, et en fait, là-bas, je me suis aperçu que c'était des bêtises, et j'ai beaucoup pensé à ma famille, j'avais très envie de les avoir. Elle dure combien de temps au final cette aventure exactement en Alors, entier? pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça dure 28 jours. 28 jours. En Ouais. 28 jours, comment ça se passe au niveau de la libido? Je me posais la question. Ben écoute, on en parlait, et c'est vrai qu'on en parlait entre nous, mais personne n'avait envie, quoi. Ouais, tu te lèves le matin, t'as pas envie, tu ressens rien. Non, t'as vraiment pas envie de rien faire, en fait. Vous en Et... parliez entre vous, c'est-à-dire vous aviez Ouais, parce que ce... certains s'inquiétaient, on n'avait pas l'érection du matin, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on en parlait avec le doc, on en parlait entre nous, et en fait, on était tous dans le même cas. Aucun de nous n'avait envie de faire des câlins, quoi. Oui, mais tu parles de l'érection du matin. L'érection du matin, c'est quelque chose de physique. C'est pas Ouais. du domaine de la libido. Oui, mais là, en fait, on n'avait rien. On n'avait plus rien, quoi. Même ça, on n'avait rien. Ça réagissait plus. Donc, c'est vrai que là, c'était zéro, quoi. Donc y a aucun manque. À aucun moment, on se dit, ah bah tiens, Non. surtout quand on est un homme. Parce qu'une étude récente, une étude allemande, expliquait qu'un homme se masturbait en moyenne 3 à 4 fois par mois. Ben écoute, bon, je parlais pour moi en tout cas, parce que je sais pas pour les autres, mais moi c'est vrai que sur l'île, j'en avais pas du tout envie. Moi, voilà, quand je me levais le matin, j'avais qu'une envie. Moi, la seule chose que je me demandais quand je me levais le matin, c'était qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais rentrer chez moi? Voilà, moi c'était vraiment est-ce que je vais survivre, quoi. C'était vraiment le truc et je pensais pas du tout à ça. Non, aucune envie, quoi. Vraiment aucune envie. Tu veux dire à cause de la difficulté de l'aventure, forcément, en tant qu'homme, on n'a plus de libido. Et ça s'est vu aussi dans d'autres émissions de survie, mais c'est vrai que voilà, on pense à survivre, Parce on pense pas. il aurait pu vous donner des petites astuces, sinon Mike Horn. Oui, voilà, mais non, il nous a pas parlé de ça. C'est vrai, il C'est aurait pu. vrai, hein? Il vous en a pas parlé. Bon, ça change une vie ou pas cette aventure? Ça t'a changé, toi, en tant qu'homme? Ah oui, moi franchement, j'ai eu les réponses à toutes les questions que je m'étais posées. Je suis toujours aussi peureux. Je crie toujours autant, je pleure toujours autant, mais je me suis renforcé, je le sens, tu vois. Je suis plus fort qu'avant. Je me laisse peut-être moins faire qu'avant aussi. C'est vrai que je pars au quart de tour maintenant quand quelqu'un m'embête. Ouais, il y a vraiment une différence. Je suis toujours le même, mais Oui, je suis plus fort qu'avant. plus fort, bah ça c'est bien. Ouais. Et le retour à la réalité en deux mots, comment ça se passe une fois que tu remontes dans le bateau et que tu retournes à l'hôtel? Ben moi, quand on est venu me chercher, quand on est venu me chercher en bateau pour me ramener, avant de ramener à l'hôtel, j'ai eu mal de mer. Donc, déjà, j'étais pas bien. Tout le trajet, ça m'a fait mal à la tête. Mais après, c'est vrai que le premier repas qu'on a, c'est un miracle. On pouvait pas manger beaucoup de choses au départ parce que il faut que notre corps se réhabitue à avoir une alimentation, normale. Donc en fait, au début, on a eu des fruits, des choses légères, mais rien de ça, c'était génial, c'était ce qu'on attendait de l'aventure, quoi, finalement. Et c'est génial. Moi, en tout cas, j'ai mangé comme un, c'est vrai que j'avais pas mangé depuis des années, j'étais comme un affamé, je me suis jeté sur les fruits et tout, Et le retour en France, on y va, coup de fast-food, comment ça se passe? Ouais, moi, mon retour, je me suis fait un resto avec mes proches. Mais après, même de toute façon, on arrive, même si on veut manger, on a mal au bide très vite parce que le corps n'est pas encore habitué. Mais ouais, j'ai pas arrêté de manger. Moi, dès que j'ai récupéré mon téléphone, j'ai appelé chez moi, j'ai dit à mes parents de m'acheter des bonbons, des gâteaux, des trucs. J'avais fait ma liste. Et du coup, quand je suis rentré chez moi, il y avait tout ça à la maison, quoi. T'as perdu combien de kilos? Moi, j'en ai perdu 9. Ah ouais, bah faut que j'y aille alors, hein. J'ai perdu 9 kilos. Je voulais en perdre 10 parce que je voulais que je m'étais dit aussi. Autant qu'à faire, en profiter pour faire un petit régime. Ouais. Mais j'en ai
Je l'ai perdu, j'en ai perdu 9. Donc et alors, ça enlève la petite brioche, les petites poignées d'amour. Ouais, parce qu'en fait, j'ai repris les kilos perdus, mais j'ai pas repris gras, donc je suis très content. Ah, c'est cool. Une liposuction gratuite, The Island. Pensez à moi pour la saison 3. Hein. Voilà, comme ça, ça m'évitera d'aller chez le chirurgien esthétique. Bon, Vince, je vais te laisser, si tu le veux bien, communiquer ton Twitter ou tes réseaux sociaux aux personnes qui nous regardent. Comme ça, si une personne a envie d'approfondir cette interview, te poser des questions sur l'aventure ou autre, bah, il pourra te joindre facilement. Alors, donc, sur Facebook, donc, c'est Vincent The Island 2 Vince. Et sur Twitter, c'est dans mon prénom et mon nom, donc Vincent Kang, Vincent K-H-E-N-G, tout attaché. Voilà, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, ça apparaît en ce moment même. Donc tout le monde note, tout le monde fait des screenshots. Bon, Vincent, je te remercie. Je te remercie infiniment pour cette interview. De même, merci à toi. Voilà, parce qu'on a appris beaucoup de choses, parce que nous, on n'a pas eu la chance d'aller sur une île déserte et de vivre à la Robinson Crusoe. Pour réagir à cette interview à la maison, vous connaissez la tradition. Le hashtag, c'est WebSam. Ou alors WebSam Vince, ou alors WebSam The Island. Hein, allez, soyons fous, vous faites comme vous voulez. On se donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle personnalité, de nouveaux candidats de télé-réalité, toujours plein de scoops, pas en toute intimité, mais sur Skype. À très bientôt.